Bonjour les élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre leçon numéro 3, les articles partitifs. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les articles partitifs? Ce sont des articles que j'utilise avec les aliments si je veux dire que je veux manger un petit peu des aliments. Pas tous les aliments. Les articles partitifs sont du, de la, de l'apostrophe et des. Encore une fois, du, de la, de l'apostrophe et des. Pourquoi j'ai quatre articles? Parce que j'ai des articles pour le nom masculin singulier et le féminin singulier. De l'apostrophe, j'utilise avec les aliments qui commencent par, ou bien le nom qui commence par une voyelle comme A, E, I, O et U. Encore, j'ai le H et le Y. Enfin, j'ai le dé. Le dé, j'utilise avec les noms pluriels qui se terminent par un S ou bien X. Encore une fois, du pour le masculin, de la pour le féminin, de l'apostrophe pour les noms qui commencent par une voyelle et le dé pour le pluriel. On va voir des exemples. Du. Les noms masculins avec le du, c'est du bœuf, du poulet, du riz, du poisson, du chocolat. De la avec les noms féminins, comme de la salade, de la pizza, de la viande, de la confiture, de la glace. De l'apostrophe pour les noms qui commencent par une voyelle, comme de l'eau, de l'orange. Des pour le pluriel, comme des biscuits, il y a à la fin ici S, des fruits, il y a à la fin ici S. Maintenant, on va passer à l'évaluation, mais tout d'abord, on va étudier bien les noms. Complète par un article partitif. Nous mangeons pizza. Pizza, c'est un nom féminin, alors je mets de la. Elle achète poisson. Poisson, un nom masculin, je mets du. Je veux salade. Salade, c'est féminin, de la. Tu veux chocolat, oui, c'est du chocolat. Lucie mange orange, orange de l'apostrophe parce qu'elle commence par le O et c'est une voyelle. Rex veut manger, oui, très bien, de la viande. On doit étudier bien les mots pour savoir bien faire l'exercice. Et